Bonjour, and welcome to my presentation of a lesson for French 2. My name is John Hodges. Thank you for joining us. So as students come in, I will start by asking them questions. For example, bonjour Cameron, ça va? Est-ce que tu as un chat ou un chien? Tu as un chien, très bien. Et toi, Eva, est-ce que tu as un chat ou un chien? Tu as un chat aussi. Très bien. Et Melissa, est-ce que Eva a un chat ou un chien? Elle a un chat. Très bien. C'est vrai. Effectivement. Et toi, Eva, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Tu as un frère. Ok, très bien. Et Jack, est-ce que Eva a un frère ou une sœur? Elle a un frère. Très bien. Donc, ce que nous faisons, c'est rappeler le verbe avoir dont nous avons déjà parlé, que vous connaissez bien. So today, we're going to review, we're going to put together two things that we've learned already. The verb avoir, irregular verb avoir. Hein? Cameron a un chat, n'est-ce pas? Eva a un frère. Hein? J'ai un chien, for example. The verb that we've learned, as well as another thing that we've learned, the parts of the body. All right? And today, we're going to put them together by learning the expression of pain in French. J'ai mal. J'ai mal, n'est-ce pas? So how do you guys feel about avoir et les parties du corps? You want to show thumbs? Très bien, bien. Donc pour le verbe avoir, bien, comme si comme ça, ou pas très bien. Ok, donc plutôt comme ça. Oui, très bien. Ok, donc et les parties du corps. How do you guys feel about les parties du corps? Comment vous sentez-vous, parties du corps? Comme si, comme ça. D'accord. On va revoir très vite, hein, réviser très vite. Donc, c'est le verbe avoir et les parties du corps. Bien. Donc, le verbe avoir, comme vous voyez, c'est pas j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, et ils ou elles ont. Ils ont, elles ont. Ok? Bien. Ok? Et aussi, les parties du corps, on va réviser un petit peu. Ok? Les différentes parties du corps que vous connaissez, n'est-ce pas? La tête. Les yeux, le nez, la bouche, n'est-ce pas? Les dents, le bras. Très bien. Les oreilles. Okay? Donc, le verbe avoir et les parties du corps. Mais comment est-ce qu'on va les mettre ensemble? Donc, regardez-moi. Donc, regardez-moi. Donc, aïe! Oh, j'ai mal à la tête. Ou j'ai mal à la tête. Ou par exemple, j'ai mal au bras. Aïe, aïe, j'ai mal au bras. Comme j'ai mal au bras. Aïe. Ou j'ai mal. Aïe. Ah, j'ai mal à l'oreille. J'ai mal à l'oreille. Ah, aïe, 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 j'ai mal aux dents. Ah, j'ai mal aux dents. Donc, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal à l'oreille. Ou j'ai mal aux dents. À la tête, au bras, à l'oreille, aux dents. Qu'est-ce qui est différent dans ces différentes expressions? What's different?
Ouais, c'est à la tête, au bras, à l'oreille, aux dents. And take a minute and think about it. If we were in the classroom, you could ask your partner, but I'll give you a minute to think about it at home. Right. Who's ready to answer? Okay. Let's go with you. Alors, et toi, Rosalind? Oui, effectivement. Tout à fait. Très bien. OK. À la tête, la tête. La tête est féminin. Donc, à la tête. Au bras, c'est le bras masculin. À l'oreille, right? It starts with a vowel. So, à. And then, aux dents. It's a plural. It's a plural form. Okay. So in French, l'expression avoir mal à, we're going to use contractions that we've also seen before. If you remember when we talked about sports, jouer au football, jouer à la pétanque, n'est-ce pas? Jouer aux échecs, par exemple. Okay. So we're going to find these same contractions in French. Donc j'ai mal à la tête, and in French with this expression, j'ai mal au dos. Tu as mal à l'œil, n'est-ce pas? Ou on a mal. Elle a mal aux yeux. Pardon. Elle a mal aux yeux. À la tête, au dos, à l'œil. Aux yeux, pluriel. OK? Bien. Ça va? On va voir si vous avez suivi un petit peu. Donc regardez-moi. Bien, tout le monde, montrez-moi. J'ai mal à la tête. Aïe. C'est ça. J'ai mal à la tête. Donc la tête. Montrez-moi. J'ai mal à l'oreille. Oui, exactement. Très bien. Okay. Montrez-moi. J'ai mal aux dents. Oui, mal aux dents. Très bien. Montrez-moi. J'ai mal au nez. Nez. Oui, très bien. Ok. Aïe, mon nez. Il me fait mal. J'ai mal au nez. Bien, montrez-moi maintenant mal au ventre. Oui, ici. Oh, j'ai mal au ventre. Très bien. OK. Et montrez-moi mal au pied. Ah, j'ai mal au pied. Très bien. OK. Merci. OK. So, we have this expression and we've seen how it varies. Masculine and feminine and plural. Okay, and in some cases, when you have a vowel, the word starts with a vowel. We have these different cases. Donc, j'ai mal à la tête, j'ai mal au nez, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au dos. Très bien. Okay. What I'd like to ask you to do now, I'm going to share a video with you that's going to present someone who's in pain, okay, and different ways that they deal with it. So I'd like you, when you're watching the video, try to figure out what kind of pain they're talking about. Où est-ce qu'ils sont mal? Où est-ce que ces personnes ont mal? Est-ce qu'ils ont mal à la tête? Est-ce qu'ils ont mal à l'épaule? Aux pieds, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? How do they relieve this pain? Okay. So watch a quick video and come back together. And so then I'll show them the video. I'll present the video from here on YouTube. I'll spare you. All right.
that. So, as we come back together, donc merci de revenir ensemble. Donc, j'ai posé deux questions. La première question, où est-ce qu'ils ont mal? Où est-ce qu'ils ont mal dans cette vidéo? Ils ont mal au dos, effectivement, au dos. Ils ont mal au dos. Hein, tout le monde est d'accord? Ils ont mal au dos? Oui, mal au dos. Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Et dans cette question, on peut répondre en anglais. Okay, you can respond in English to this question. Right? Did they say it's good to lie down on your back? No. Right? What are a couple things that they say were good to do if you have back pain? Quand tu as mal au dos. That's right. Ah, très bien. So one, swimming. Swimming is good. And anything else? Movement. Yeah, staying in movement. And the third, yes, they did. They had some weird back brace that they called it a exoskeleton. Yes. Très bien. Très bien. Bonne compréhension. Ok, très bien. D'accord. Donc, je vais vous poser, donc, pour réviser un petit peu, je vais vous demander quelques questions très vite. OK? A few quick questions to review what we've learned today. OK? Où est-ce qu'ils ont mal? C'est pas un verbe à voir. Où est-ce qu'ils ont mal? Où est-ce qu'il a mal? Très bien, il a mal au dos. Il a mal au dos. Où est-ce qu'elle a mal? Où est-ce qu'elle a mal? Elle a mal au pied. Très bien. Où est-ce qu'elle a mal? Elle a mal à la tête. Très bien. Oups. Est-ce qu'elle a mal à la bouche? Non. Elle a mal à l'œil. Très bien. Elle a mal à l'œil. Ou est-ce qu'il a mal au pied? Non. Il a mal à la main. Il n'a pas mal au pied. Il a mal à la main. OK. Très bien. Good. Donc, est-ce que vous avez des questions? Any questions? Est-ce que vous avez des questions? So, how's it? How are you feeling? Est-ce que vous avez mal? Quelque part, vous avez mal à la tête avec cette leçon? And does this lesson give you a headache? No. Okay, good. Bien. So, thank you. Et merci beaucoup. D'avoir suivi cette leçon et puis on se voit demain. Regardez la vidéo sur le Canvas avec les devoirs associés. So, please review the video that's up on Canvas now and answer the questions associated with it as review for tonight. And tomorrow we'll come back and talk more about where we ache and where we have pain and how to deal with it. Okay. Merci bien et au revoir.